Juste au-dessus de vous, c'est un faucon pèlerin. C'est une de ces nombreuses espèces dont la femelle est plus grande que le mâle. Et quand vous entendez le cri comme celui-ci, c'est qu'il est en train de communiquer. Tout au loin, on entend un pivert, qui peut aussi s'appeler pigvert. Il vit principalement en Europe. Si vous regardez droit au fond, vous voyez que dans ce pigvert, c'est l'une des grandes espèces de pigvert parmi les plus répandues en Europe et dans une grande partie de l'Asie. Vous pouvez le détecter grâce à son cri assez particulier. Nous sommes deux aventuriers qui avons pour mission de trouver les différents animaux qu'il y a dans notre carnet de la forêt de Dieppe. Cependant, le carnet est international, donc les noms des animaux sont en anglais. Ne vous inquiétez pas, nous allons tous les traduire. Une galerie, un barrage, c'est bien évidemment le blaireau avec ses talents d'architecte hors norme pour des animaux. On peut le reconnaître facilement grâce aux grandes bandes noires sur tout le long de sa tête.